Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les recherches qui sont présentées dans cet ouvrage, eh bien, elles font partie d'un plus vaste projet qui va donc consister à psychanalyser le monde entier. Et ce, au travers d'un plan quinquennal qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2015, c'est un jeudi, je crois, à 23h à New York, devant le siège de l'ONU. Alors je vous invite d'ailleurs à venir nombreux, hein, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats. Alors pour l'instant, on a psychanalysé une petite cinquantaine de villes et de territoires, hein, principalement en France, avec quelques incursions à l'étranger. Et cet ouvrage retrace un peu la genèse, hein, du projet avec les premières enquêtes qui ont eu pour cadre la ville de Vierzon, la ville de Tours, le département des Côtes d'Armor, la zone de l'Union, Marseille, avec un passage mémorable dans la ville d'Alger. C'est aussi pour nous un moyen d'ailleurs de ressusciter, hein, ces travaux qui ont malheureusement disparu lors de l'incendie qui a ravagé les locaux de l'agence, hein, l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Et c'est aussi un moyen pour nous de transmettre, hein, cet outil, véritablement, cette science poétique à nos amis lectrices, à nos amis lecteurs, pour qu'ils puissent nous donner un sérieux coup de main dans cet ambitieux projet que va donc être la psychanalyse urbaine du monde entier.